Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de vos collections Lego. Mais du coup pareil, parce que dû à l'autre épisode où j'ai pu en mettre que deux, parce que je sais pas pourquoi ça voulait pas la mettre en ligne, en espérant que j'ai réussi à la mettre parce que là je l'ai pas encore pu tester. Dans cet épisode là vous aurez aussi deux collections par rapport à ceux que j'ai reçus, parce que j'ai pas encore retrié de ce que j'ai reçu dernièrement dans les autres mails. Et du coup, donc là, vous aurez deux collections aussi pour cet épisode-là. Et après, je remettrai à jour en espérant que ça remarche pour remettre trois collections ou trois créateurs pour les fanmox par vidéo. Du coup, on va regarder du coup les deux collections de cet épisode. Dernière collection de cet épisode, c'est celle de Florian. Voilà, donc franchement, elle aussi est très belle. Donc j'aime bien, on a vraiment eu de belles collections pour cet épisode. Donc là, on peut voir qu'il y a aussi le Millennium Falcon. Donc un set qu'on peut voir au final si on compare sur tous les épisodes collection, qui ressort quand même pas mal. Le Queen Jet aussi, on le voit vraiment pas mal dans pas mal de collections. Donc il a dû avoir pas mal de succès. Ça fait beaucoup de pas mal, mais c'est vrai. Le petit Queen Jet aussi de Captain Marvel que j'adore. Je trouve que c'est un très bon set qu'ils avaient fait là. Parce que, ah oui c'est vrai, ils en ont fait un pour le deuxième que j'ai pas encore pris, mais il est pas, je suis pas un grand fan. Après vous avez du coup le Daily Bugle, voilà, qui est vraiment très très beau, c'est un magnifique set, j'adore. Là on a d'autres sets aussi avec la hutte d'Obi-Wan, il me semble, le Jedi Interceptor d'Anakin, la Batmobile qu'ils avaient fait pour les 80 ans de Batman, ou il me semble, moi je t'avais dit ça, le petit polybag aussi du Naboo Starfighter. Quelques figurines Disney, voilà, pas mal. Avec Cruella, Elsa, enfin, Tic et Tac, enfin, il y a pas mal de personnages. Mulan aussi, la Masterclass. Hop, après, donc là, vous avez la Aston Martin aussi, qui est très bien. Le duel de l'étoile noire, enfin, surtout du canon. Hop. D'autres sets un peu, enfin, le Microfighter aussi de Naboo. Là, on a le trône de Namor. Moi, j'adore ce set. Je trouve qu'il est trop beau par rapport à Black Panther, Wakanda Forever. Le canon aussi du Wakanda de Infinity War. Le polybag avec Doctor Strange aussi, qui rend pas mal. Le set bon, qui nous a offert de belles figurines, mais qui sert à rien. C'est vraiment le drone, là, de soi-disant Badger et Noéo, mais on le voit pas dedans. Et après, pas mal de figurines Marvel. Donc, plusieurs de la CMF 1 et 2. Et aussi par rapport à certains sets, et aussi le mec de Black Panther juste derrière, donc vraiment très joli. Pas mal de Hulkbusters, celle de War Machine, celle d'Infinity War justement qui va avec le canon au-dessus, la grosse moto de Captain, la voiture dans Shang-Chi, et aussi le Ironmonger, voilà. Le coin un peu The Batman, donc vraiment j'adore moi ce set, c'est trop stylé, la Batcave est trop belle, avec aussi le petit Bat-Signal. La Batmobile aussi, donc là normalement c'est les trois sets qu'ils avaient fait, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, très joli. Donc voilà, donc là aussi une très belle collection, voilà, avec pas mal de thèmes différents. C'est rare qu'on voit un seul thème par collection. Là par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de Ninjago, aucun par exemple. Ouais, donc voilà. En fait, ça dépend quand même vraiment de pas mal de Frandico et tout, donc c'est ça qui est marrant et on peut voir grâce à ce genre d'épisode. Et moi j'aime bien voir justement les collections et tout ça. La dernière collection, en espérant que ça marche, parce que ça fait 50 fois que je retourne, que ça ne veut pas, j'ai l'impression que là, ça veut plus que je fasse de vidéo collection. Mais là, vous avez la collection de Com, voilà, donc j'espère que ça va marcher. Hein. Avec du coup, le gros héliporteur du Shield de 2015 en mode UCS, et la version un peu plus récente, là, je crois vers 2020, des Avengers. Voilà, donc plutôt pas mal ce genre de set, et en plus, on aura le droit normalement à une version mid-scale, un peu comme les vaisseaux Star Wars, là, qui vont sortir en mars prochainement. Et donc ça pourrait être plutôt pas mal. Après donc vous avez aussi le petit Queen Jet des Avengers. C'est juste à côté qui est vraiment un super set là aussi. Pour la vague Avengers Endgame, mais pas vraiment Endgame. Mais c'était le seul set vraiment basé sur le film. Après vous avez le A-Wing. Et le petit Jedi Interceptor d'Anakin. Le Millennium Falcon aussi. Le vaisseau des Inquisiteurs dans la série Obi-Wan, qui est vraiment un très bon set. Là, il y a pas mal de sets Marvel aussi, avec Harry Shem, Iron Monger, la Hulkbuster d'Infinity War, la première version. Celle aussi de justement la vague Endgame, pas vraiment Endgame, avec la War Machine Buster. Après, vous avez plein de figurines Marvel, et quelques-unes Star Wars aussi. Ensuite, vous avez Gargantos, encore plein d'autres... figurines, on peut voir Thanos, MODOK, tout ça, l'espèce d'alien aussi qui est un déviant dans Eternals.
Le TIE Dagger, l'espèce de speeder dans Star Wars 9. Deux AAT droïdes, vous avez aussi le AT-ST Raider dans The Mandalorian et celui Impérial aussi. Le AT-TE, juste là. Et à côté, on a aussi le magnifique Benatar qu'on peut retrouver dans quand même beaucoup de collections, qui doit plaire, je pense, à beaucoup de fans de Marvel, mais aussi à beaucoup de fans de vaisseaux spatiaux, parce que c'est vraiment un vaisseau incroyable. Et j'espère que le résultat du Milano sera vraiment très bien réussi aussi prochainement pour la vague de cet été en mode Marvel. Donc j'espère que ça sera bien et j'espère aussi que cet enregistrement aura fonctionné cette fois-ci. Du coup voilà pour cet épisode et l'autre aussi collection parce que il y a des problèmes. Je sais pas pourquoi ça veut pas les mettre en ligne alors que j'ai la 5G, il y a tout qui doit marcher mais ça veut pas. Donc j'espère que là ça aura marché et qu'on pourra reprendre prochainement à remettre 3 collections par épisode et que là aussi l'enregistrement aura bien voulu marcher. Du coup voilà donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer du coup des photos de votre collection et de vos créations par mail à brickuniverse.com. Comme ça, je vous ferai passer, dans les prochains épisodes. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, lâchez un petit like, un commentaire, un petit tour dans la description pour TikTok, Instagram et Twitter. Et puis du coup, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.